Booker, est-ce que vous craignez Dieu ? Non. Mais je te crains, toi. Dis-moi, tu vas rester planté là ? Tu veux que je fasse quoi ? Que je danse ? Danser, non ! Que tu rames ! Ramer ? J'avais pas prévu de ramer. Donc, tu voudrais que je m'occupe de tout ? Non. Je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui. Et en quel honneur ? C'était ton idée de venir ici. Mon idée ? Je t'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice. Quoi ? Ramer ? Non. Ça, c'est un exercice épatant. Quoi alors ? Toute cette expérience de pensée. Excusez-moi, c'est encore long ? Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout. Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend. Revenons à cette histoire de ramer. Tu ferais bien de ramer, sinon on n'arrivera jamais. Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Peut-être qu'il pourrait t'aider. J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port. Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander. Pourquoi ça ? Parce qu'il ne rame pas. Il ne rame pas ? Non, il ne rame pas. Hein, je vois ce que tu veux dire. Nous y sommes. D'après toi, on doit lui dire quand on reviendra ? Quelle différence ça ferait ? Ça le rassurerait peut-être. Pour une fois que nous sommes d'accord. Hé ! Y a quelqu'un qui m'attend ici ! Je l'espère vraiment pour vous. Il ne doit pas faire bon se retrouver là tout seul. Bon, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Excusez-moi. Je suis Booker DeWitt. Je suppose que vous m'attendez. Eh ben, ça a l'air sympa. Y a quelqu'un là-dedans ? Eh oh ! Merde. Mais attends, cette carte. Je crois que je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil. Bon, et maintenant le... Tenez-vous prêt, Bella. Non. Veillez à votre sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? J'aime pas ça. Non, 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 bordel de merde ! Attention. Début de l'ascension dans 5. Non, dans 4, non, 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 non. 2, 1. Non. Attention. Attention. Allez, Booker. Allez, on nous reste au calme. Nous sommes là 5 000 pieds. 10 000 pieds. 15 000 pieds. Alléluia.
La progéniture du prophète. Excusez-moi, je suis où ? Au paradis. Enfin, ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier. Vaut mieux pas poser de questions. Je veux pas me faire remarquer. Et chaque année, en ce jour de fête et de célébration, nous réaffirmons notre engagement envers notre cité et notre prophète, le père Comstock. Nous nous rengageons par le sacrifice et par l'action de grâce et en nous plongeant dans les eaux du baptême. Car oui, si le prophète avait frappé nos ennemis à Undini plutôt que de s'insurger contre la menace de la Sodome inférieure, cela aurait suffi. Si le prophète s'était insurgé contre la menace de la... C'est à nouveau ! Il vient de la Sodome inférieure qui nous menace. Les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète, nos fondateurs et notre seigneur. Je voudrais entrer dans la ville. Entrer dans la ville ? Mon frère, la seule façon d'entrer à Columbia, c'est de renaître dans les douces eaux du baptême. Acceptes-tu d'être purifié, mon frère ? Écoutez, je veux juste passer. Gloire au Père. Prenez sa main. Vas-y, mon frère. Gloire au Père. Gloire au Père. Gloire au Père. Soit j'accepte, soit j'ai plus qu'à repartir sur ma fusée. Purifie-toi. Autant me débarrasser de la corvée. Hé hey. Je te baptise au nom de notre prophète, au nom de nos fondateurs, au nom de notre... Au sein de Columbia. Amen. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais cet homme ne m'a pas l'air bien pur. Qui est là? Qui est là? Ramenez la fille, et nous effacerons la tête. Vous voulez quoi? Nous avions un marché, DeWitt. Ouvrez cette porte, tout de suite! Je vous l'ai dit, je refuse de le faire! Allez-vous-en! Monsieur DeWitt! Monsieur DeWitt! Ce crétin de pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade. Une épée en or, pour que les je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé. Notre prophète emplit nos poumons d'eau pour leur faire apprécier l'air. C'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génies. Enfin, j'ai une gamine à trouver, moi. Je n'ai jamais mangé. Et je pense qu'on doit pouvoir arranger ça. Monsieur Rossignol, vous êtes incorrigible. Bonjour. Bonjour. Un jour parfait pour les festivités. Le père Comstock a dû le prédire et tout organiser. Show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
chance pour la tombola. C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. Télégramme, monsieur DeWitt. Un télégramme pour vous. DeWitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que... Cher ami, avez-vous déjà perdu de l'argent dans un distributeur? Un téléphone a-t-il déjà refusé de vous connecter à votre moitié? Alors, il est temps de reprendre le contrôle aux machines. Avec Possession, c'est vous le maître. Faites obéir n'importe quelle machine. Nous vous présentons toutes nos excuses. La tombola affiche complète. Je vais en prendre un. Un simple murmure, ils sont à vous. Qu'est-ce que c'était que ça? Tiens, mais voilà notre bon député Bofford. On vous attend à la tombola. Je ne sais pas pourquoi vous ne nous avez pas reconnus. Étrange. C'est toujours un plaisir d'accueillir des personnalités de votre ville. Pile ou face? Allez, laissez-moi passer. Pile ou face? Face. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant, en définitive. Courage, on verra la prochaine fois. Tu as sans doute raison. Qu'est-ce que... Déclare la tombola de 1912 officiellement ouverte. Monsieur, monsieur. Désolé, pas d'argent. Mais non, la tombola est gratuite, Nigo. Vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. 77. 77? Ça porte bonheur. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi le bol! N'est-ce pas la plus jolie jeune fille blanche de tout Columbia? Bon, et maintenant, le vainqueur est... le numéro... 77. Eh ben, quelle surprise! Il est là! C'est lui, vainqueur! Numéro 77! Votre prix vous attend! La première balle! Pitié! Pitié, de faire ce que ça! Oh, pitié! Non! Pitié, qu'est-ce que vous faites? Alors, pitié. Vous la lancez? Ou vous aussi, vous buvez votre café bien noir. C'est moi, pitié. C'est moi que vous voulez. Ah, mais c'est qu'on a un petit timide. Il va falloir faire quelque chose. Allez-y, pitié. Le temps presse, mon gars. Attendez. La voilà. Alors c'est quoi cette marque, petit? Vous ne savez pas que ça vous désire, comme ce sale traître de faux berger? Et on ne veut pas avoir de faux berger dans notre troupeau. Montrez-lui ce qu'on a prévu. Allez. Non, non, non. Vite!
Ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe? Brûlez au nom du prophète! Génial. Un tonique. Baiser du diable. Pourquoi pas? On n'a qu'une vie après tout. Je m'attendais pas à ça. Alors qu'aujourd'hui même, nous célébrons l'anniversaire de notre sécession d'avec la Sodome inférieure. Oh! Hey! Ce truc doit être aimanté! Pourquoi vous faites ça? Je veux juste retrouver ma famille! Elle nous met à l'épreuve. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau tonique? C'est quelque chose, ce truc-là. Je sais ce que vous faites là, faux berger. Je vois chaque péché qui pèse sur votre âme. Wounded Knee, l'agence Pinkerton, la boisson et le jeu. Et bien sûr, Anna. Aujourd'hui, pour effacer une dette, vous venez prendre mon agneau. Mais certaines dettes ne s'efface pas, Booker. Vous savez rien du tout. Mon domaine est la prophétie, monsieur DeWitt. Le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire, et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, Booker? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, DeWitt. Et enfin, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai? Ça finit toujours mal. Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux.
Retournez dans votre sabbat. Allez-vous-en! Oh merde! Bachelier Jones! Lâchez le danger! Sortir cette horreur! Je dois trouver les commandes pour rejoindre Monument Island. Tout va bien. Je te ferai aucun mal. Ok, je suis sûr que je peux le faire marcher. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner. Mais moi, je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen. Amen. Oh merde! Il faut que je file d'ici! Et merde! C'est pas passé loin. Bien, nous y sommes. Monument Island. Je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. Ils la surveillent. Wow! Qu'est-ce que c'est? Oh, oh bon... Je sais pas ce que c'était. Mais de toute façon, c'est pas mon problème. Oh merde! Bon, très bien. Je peux le faire. Je veux pas te faire de mal. Qui êtes-vous? Je m'appelle DeWitt. Je suis un ami. Je suis là pour te libérer. Laissez-moi! C'est bien vrai? Aussi vrai que possible. Il arrive. Vous devez partir. Pourquoi? Il ne doit surtout pas vous trouver là. J'arrive tout de suite! Je termine de m'habiller! Je peux te faire sortir d'ici. Il n'y a pas de sortie, croyez-moi, j'ai cherché. Arrête, sois un peu patient, ça suffit. Et ça, c'est quoi? Comment ça? La sortie? Je me trompe? De quoi vous parle? Donnez-moi ça. C'est la sortie! Me garder enfermé! Ça coûte rien d'essayer! Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Par ici, venez! Attends!
J'appelle l'ascenseur. Hein? Mais appuie sur le bouton. C'est quoi tout ça? Alors il me surveillait depuis le début. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il m'a enfermé, hein? Je suis quoi? Je suis quoi, moi? Tu es la fille qui va s'enfuir de cette tour. Par là! Il ne faut surtout pas s'arrêter! Il va détruire tout le bâtiment! Sois prudente, Elisabeth! Qui vous a dit mon nom? Pousse-toi, je vais essayer! Où on va? En haut! Monsieur DeWitt! Ramenez la fille! On vous fait pas nous effaçons la dette. Vous êtes là, DeWitt? Hein? Qu'est-ce que vous lui voulez? Nous avions un marché, DeWitt! Dites-moi ce que vous lui voulez! Ouvrez cette porte! Tout de suite! Vous allez lui faire du mal! Dites-moi ce que vous voulez! Anna! Anna! Anna. Anna. Non, c'est moi, Elisabeth. Vous allez bien? Où je suis? De retour parmi les vivants. Tenez, je vais vous... Non, ça va aller. Vous avez failli vous noyer, vous devez... Ça va aller, je te dis. Laisse-moi juste une minute. Vous entendez? Oh, de la musique! Vas-y, continue. Très bien, je ferai vite, monsieur DeWitt. Elle est où? Les temps changent. Les gens n'ont plus aucun... Hey, oh! Hey! Hey, Elie...
Elisabeth. Oh, c'est vous, c'est merveilleux. Oh, dansez avec moi, monsieur DeWitt. Non, je danse pas. Allez, on y va. Pourquoi? On est drôlement bien ici, non? Et si nous allions à Paris? Paris? Je ne comprends pas. Comment on irait? C'est là que va ce dirigeable, mais si tu veux rester et danser un peu, à toi. Non, allons-y. Allez, on y va. On y va, vite, allez. Je suis sortie. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai pourtant. Oh, vous sentez ça? Je n'ai rien senti de pareil de toute ma vie. Et vous? Mes plages à moi ne sentent pas comme ça. Monsieur DeWitt, là! L'oiseau? Ou la cage? Ou alors l'oiseau? Il vaut mieux la cage. Encore eux? Mais comment? Bon, peu importe. Regardez, c'est incroyable! Lequel préférez-vous? Celui-ci ou celui-là? L'oiseau est magnifique et la cage est lugubre, mais elle a vraiment quelque chose de spécial. J'ai du mal à choisir. L'oiseau à droite. Vous êtes sûr? Certain. J'adore! Tiens donc, j'aurais dit la cage. Si tu ne sais pas perdre, la prochaine fois, ce sera sans moi. Oh diable, tes sophismes! Mon Dieu. Qui d'autre? Regardez. Tu vas bien? C'était chez moi. Vaut mieux pas rester ici. Allons-nous-en. Le prophète, il ne nous dit que ce qu'il veut. Allez, tout va bien. Tout va bien. Oh, Frédéric! Vous devez être en mesure de présenter une pièce d'identité munie d'un photogramme. Les bras en l'air! On écarte les doigts! Et les jambes! On bouge pas! Restez tranquille! Faites des Fimton. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est fermé. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous êtes agaçant. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Voilà. Où as-tu appris à crocheter? Quand on est enfermé dans une tour, les journées sont longues. Vous n'imaginez même pas ce que je sais faire. Voilà. Monsieur DeWitt! Monsieur DeWitt! Je vous en prie, ne vous en faites pas. Monsieur Fink m'a donné ça pour vous. Alors, qu'est-ce qui a... attiré l'œil de Monsieur Fink? Votre sauvagerie, Monsieur DeWitt. Annabelle? Pardon? Annabelle, c'est moi, Esther. Oh, non, vous devez faire erreur. Vous êtes sûre? Je m'appelle Elisabeth. On se connaît? Elisabeth, c'est un très joli prénom. C'est... étrange. Aucune idée. Une pièce d'argent. Je crois qu'il porte quelque chose. Très bien. Hey. Il est avec elle. Oui. Deux billets pour monter sur le dirigeable, première dame. Ouais, une minute, l'ami. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas trop le temps, l'ami. Hey, monsieur, vous êtes de la bien, compris. Je vous rappelle dès que ce sera terminé. Ah, j'aime pas ça. Envoyez l'oiseau. On est prêt à commencer. Excusez-moi, vous pourriez m'aider? Bien sûr, monsieur. Désolé pour l'attente. Ah ah. Qu'est-ce que vous faites? Attrapez-la! Ne me touchez pas! Ils sont là! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi! Elisabeth! Laissez-moi tranquille! Elle est où? Oh, c'est pas vrai! Ne bouge surtout pas! Laissez-moi tranquille! Hey, reviens par là! Vous les avez tués? Je n'arrive pas à y croire. Ils sont morts. Vous avez été sans pitié. Elisabeth... Vous êtes un monstre. Comment tu pensais que ça allait se finir? Quoi? Tu as vu le mal que ces gens se sont donnés pour te garder enfermé dans cette tour? Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça? Pour eux, t'es un investissement. Et tu ne seras en sécurité qu'une fois parti loin d'ici. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi? Je sais pas.
Mais c'est la dernière fois que je me laisse rouler dans la farine comme ça. Faites voir votre main. Ce qui s'est passé là-bas, c'est... Ce n'est que le début, c'est ça? J'en sais rien. Là. On doit faire venir la nacelle si on veut rejoindre ce dirigeable. Je crois que ce sont les commandes qui la dirigent. Ça ne bougera pas si on n'a pas d'électro-quartz. Bien entendu. Et où on va trouver ça exactement? Regardez! Découvrez l'avenir de l'énergie dans l'antre des héros. Ah, ben voilà qui tombe à pic. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, rien d'insurmontable. Une abeille. J'ai horreur de ça. Eh ben, tu l'as alors. Non, elle va me piquer. Elisabeth. J'ai une bien meilleure idée. J'essaie d'ouvrir une faille. Oh, la vache. C'est quoi, ça? C'est une faille. J'en ouvrais très souvent quand j'étais dans ma tour. C'est quoi, une faille? C'est comme une fenêtre. Une fenêtre vers un autre monde. La plupart sont d'un ennui mortel. Une serviette d'une autre couleur... Du thé au lieu du café. Mais parfois j'y vois de vraies merveilles. Et je les fais sortir. Et voilà. Incroyable. J'imagine que t'y caches pas un dirigeable. Je ne crois pas, non. Mais j'y vois quelque chose. Oh non! Referme-la. Je fais que ça! Referme-la! Je comprends pas très bien ce que je viens de voir là-bas, mais je suis prêt à parier que c'est un truc qui nous fera tuer. Mais je pourrais... Je suis de taille à affronter ce qui nous attend. Crois-moi. Faites ce que vous voulez, je suppose. Qui c'est, ça? Slate. Figure-toi que je le connais. Il est toujours aussi doué pour se faire des ennemis. Notre prophète, le père Comstock, commandant de la 7e cavalerie. Il a jamais mené la 7e. J'ai absolument aucun souvenir de ce type. Le caporal DeWitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Oh mon Dieu. Slate! Slate, c'est toi? Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker? Toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que c'est pas vraiment le meilleur moment. Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électro-quartz. Eh ben... Ce soldat de plomb comme Stock veut notre mort. On ne le laissera pas faire. Chut. Je crois que les ennuis approchent. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir. Mourir aux mains d'un soldat de plomb ou d'un vrai soldat. Tu vois, tu es un tueur, Booker! Que tu le veuilles ou non! Donne-nous l'électro-quartz! J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Tu me trouveras derrière le monument de la Première Dame. Ce que Comstock a fait de mon histoire. Regarde comme il réécrit la sienne. La progéniture du prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre première dame. Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade, et Madame Comstock pria pour lui jour et nuit.
Voilà ma tour. Écoutez, Daisy Fitzroy a assassiné ma bien-aimée. Mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas la prophétie. La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Tu es la fille de Comstock. Non, impossible, je... Mais non! Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi, j'aimerais un poney! Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut! Moi, je peux passer, mais vous êtes trop large. Je vais explorer, voir s'il y a un moyen d'avancer. Là! Vous voyez ce point d'accroche? Est-ce que... C'est une faille. Je peux faire venir des choses dans ce monde. C'est un point d'accroche. Ça tombe plutôt bien. Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. Booker, vous voyez ces failles? Elles peuvent nous aider à nous battre. Des soldats de plomb, Booker. C'est ce que Comstock veut faire de nous. Des rouages et des câbles à la place du cœur. Booker! Seigneur juge, et je suis sa main. Oh ! Tu vois, Booker ? Peut-être es-tu toujours l'homme que j'ai connu alors. Peut-être as-tu changé. Peu importe, Comstock a pris notre passé et effacé notre âme. Aujourd'hui, il veut ma peau. Et quand ce sera fait, il ne restera plus que le mensonge. Qu'est-ce que c'est? La flotte de Comstock. Il vient affronter Slate. C'est Slate qui a tué pour son pays à Wounded Knee. C'est Slate qui s'est battu à Pékin. Slate! Slate! Comstock arrive, Booker. Mais il veut plus que nos vies. Oh oui, son but ultime, c'est de nous transformer en plomb. Je l'en empêcherai. Il a pris mon passé, mais il n'aura rien d'autre. Donne-nous le tonique, on n'a pas besoin d'en arriver là. Et voilà, les enfants, une vraie mort de soldat! Soldat de plomb! Soldat de plomb! Forcez-le! Ce n'est pas fini, soldat! Tu dois terminer ce que tu as commencé! Allez! Tu es un soldat de plomb maintenant! Un soldat de plomb! C'était pas de la pitié. Les hommes de Comstock vont l'avoir. Est-ce qu'un jour on s'y habitue? Au meurtre? Plus vite que tu ne pourrais croire. Vous savez, ces toniques sont vraiment puissants. Je ferai de mon mieux pour vous approvisionner en cristaux. Merci.
j'arrive. Il va t'abandonner, ma pauvre Elisabeth. Quand il aura ce qu'il veut, il partira sans toi. Tu t'attendais à quoi de la part d'un menteur et d'un tueur de femmes ? Comstock. Père ! Prophète ! Qui que vous soyez, je m'en vais et vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Oh, ma chère enfant, comme tu te trompes. Des roquettes ! Prudence ! Rendez-vous ! Quand vous étiez inconscient sur la plage, vous répétiez le nom d'une femme. Anna. J'ai pas envie de parler de ça. Désolée, c'était indiscret. D'où venez-vous, monsieur DeWitt ? New York. Qu'est-ce que vous y faisiez ? Un peu la même chose. C'est pas le genre de truc qui fait vraiment joli sur un CV. On peut dire que vous êtes arrivé au bon moment. Comment tu crois que je suis arrivé là ? Je jouais. Alors je dois de l'argent à des gens pas vraiment fréquentables. Je suis là pour payer mes dettes. Pourquoi tu crois que je suis venu te libérer ? Par pure charité. Qui vous envoie ? Quelqu'un prêt à effacer mes dettes, pour mettre la main sur toi. Bien. Donc il vous appelle le faux berger. Et toi, l'agneau ? Je n'aime pas vraiment ces noms. Moi non plus. Comment pouvait-il savoir que vous alliez venir ? Soit ils ont un prophète dans leur rang. Ha ha. Soit on doit ces affiches à mes employeurs. Pourquoi ? Aucune idée. Tu vas bien ? Je veux visiter Paris. Je veux tout voir. Tout. Ma foi, ça dépend que de toi. Personne... Hé ! Qu'est-ce que c'est ? 40 degrés nord, 74 degrés ouest, c'est pas Paris, c'est New York. Comment tu sais ça ? Dans ma tour, je n'ai jamais manqué de temps, monsieur DeWitt. Du temps pour étudier la géographie. J'avais des dettes. Et puis ce type, il m'a proposé de tout effacer si je t'amenais à lui. Allez, c'est... Allez, tout va bien se passer. S'il te plaît, regarde-moi, parle-moi, on peut sûrement... Oh ! Juste un peu d'air. Il est réveillé. C'est donc toi, ce faux berger, qui fait autant parler de lui. Tu as semé le chaos à la tombola. Daisy Fitzroy ? C'est bien moi. J'ai rien contre vous, ou votre vox populi. Mais vous essayez de me prendre mon dirigeable, et j'en ai particulièrement besoin. Ah oui ? J'aurais pourtant juré que c'était celui de Comstock. Écoutez, j'ai pas envie de me battre. Tout le monde se bat, DeWitt. La seule question, c'est pour qui tu te bats ? Comstock est le dieu de l'homme blanc, de l'homme riche, de l'homme impitoyable. Mais si ta foi va au peuple, rejoins donc la Vox Populi. Si elle va aux causes justes, rejoins Je la Vox Populi. Je veux mon dirigeable. La Vox Populi te le rendra. Mais d'abord, tu dois nous aider.
Il y a un armurier à Finton qui peut fournir du matériel à notre cause. Va chercher nos armes et nous te rendrons ton dirigeable. Je ferais mieux de trouver Elisabeth avant qu'elle file d'ici. Dégage de là, petite. Tu sais ce qu'on fait aux clandestines comme toi ? Vaut mieux pas que tu le saches. Hé ! Hé ! Attends une seconde ! Laissez-moi tranquille ! Je veux juste te parler ! Laissez-moi, j'ai dit ! Oh ! Elisabeth ! Laissez-moi ! Attends-moi une minute ! Laissez-moi tranquille ! Je suis pas en colère ! Attention ! Poussez-vous ! Allez ! Reculez ! C'est pas vrai ! Je refuse de vous suivre ! N'entre pas là ! Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme vous ! Non, non, non ! Non ! Laissez-moi ! Tiens ! Il doit y avoir une autre entrée. Lâchez-moi ! Je te réclame, et on va te livrer la vie ! Silence, à la fin ! Voilà, c'était quoi ? Fallait pas me chercher ! Massacrez-le ! Va monter ! Gardez-le enfermé ! Est-ce que tu veux bien t'arrêter ? Je refuse de vous suivre ! Elisabeth ! Le pauvre berger. Je vais lâcher. N'essayez surtout pas de me suivre, monsieur DeWitt. Elisabeth, je me suis débrouillé pour qu'on nous rende le dirigeable. Vous pouvez nous faire partir. Exact. Tout ce qu'il me faut, ce sont des armes pour toute une armée de révoltés. Et où trouverez-vous toutes ces armes ? Auprès de l'un de nos innombrables alliés ? Un armurier de Finton. Ça devrait être les doigts dans le nez. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu me suis ? Vous êtes un menteur, monsieur DeWitt. Et un voyou. Mais si je veux voir Paris, je n'ai pas d'autre choix. Comment va-t-on s'introduire à Finton ? Illégalement. Cherchons une deuxième entrée. Je veux briser femme et le je crois que c'est dans tes cordes. Et je refuse de voir ce spectacle. C'est fait. Par ici, un ascenseur de service. Il nous mènera à Finton. Et nous fera tuer pour le même prix. Booker, le casier de Slate. Il travaillait ici. Mais je... C'est le journal de ma mère. Où Slate l'a-t-il trouvé ? Mon mari prétend que l'enfant serait né de la volonté divine. Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier. Son engeance ne grandira pas sous ce toit. Ma mère... C'est elle qui m'a fait enfermer. Elisabeth. Je veux juste m'enfuir de cette ville. Je vous en prie. Bonjour. Mon nom est Jeremiah Fink, et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de notre Seigneur ? Mais l'abeille, bien sûr ! Avez-vous jamais vu une abeille chômée ? Une abeille accepter un arrêt maladie ? Eh bien, mais la réponse est non ! Alors, faites l'abeille ! Faites l'abeille ! Allô ?
Monsieur DeWitt ? Oui ? Monsieur Fink souhaiterait vous parler. Que se passe-t-il ? DeWitt ? C'est Fink. Bon, écoutez, après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat. Le meilleur. Bien, mon associé, Monsieur Flambeau, sera là pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'était que ça ? J'en ai aucune idée. Bizarrement, il a l'air ravi de vous rencontrer. Il a une haute idée de lui-même. Certains viennent me dire, Fink, pourquoi sommes-nous payés en jetons uniquement valables à la boutique interne ? Ma foi, c'est très simple. Je refuse que de braves gens soient dépouillés par des commerçants peu scrupuleux. La boutique interne de Fink offre des produits Fink à des prix spécialement adaptés à nos ouvriers. Monsieur DeWitt, bienvenue à Finkton. Vous trouverez de quoi vous approvisionner pour rendre votre visite plus agréable. On y est, Booker. Chen Lin, armurier. J'ai déjà vu ça. C'est le Bouddha Gautama. Qui ? Le fondateur du bouddhisme. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui. Bonjour. Eh oh ! Monsieur Lin ? Chen Lin ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un a tout saccagé. Les forces de police du coin, sûrement. Vous entendez ? Il y a quelqu'un en bas. Excusez-moi. Madame, désolé de vous déranger, je... Nous cherchons Monsieur Lin. Monsieur Chen Lin. Booker. Monsieur Lin, pas là. Lui, parti. Parti ? Emmené. Unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez Améline. Où l'ont-ils emmené ? Au club. Tout le monde emmené au club Bagatelle. Il est où, ce club ? Madame, s'il vous plaît, où est le club ? Booker, nous trouverons. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aider Chen Lin ? Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire ? C'est quoi l'unité volante ? Des flics. Du genre à piétiner ce pauvre Lin en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Ce n'est pas justement elle qui nous envoie ? Ouais, c'est bien elle, en effet. Bon, partons à la recherche de ce club Bagatelle. Vous savez, les meilleurs entretiens, c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer. Je vous observe depuis cette histoire à la Tombola. Quelle sauvagerie ! Avec ce climat, c'est ce qu'il me faut. Vous voulez quoi, Fink ? La révolte ouvrière grande, DeWitt. Vous savez, Fitzroy a semé le trouble dans les rangs. Votre expérience chez Pinkerton pourrait m'être d'une aide précieuse. Trouvons Chen Lin et filons loin d'ici. Allons, allons. Je vous demande de finir ce que vous avez commencé, DeWitt. Il ne faudrait pas décevoir les autres candidats. Le premier postulant est un vétéran de Pink. Et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats ? Honnêtement, vous allez gagner. Il a une certaine expérience avec les explosifs. C'est le seul homme que je connaisse qui n'ait pas laissé un bras à l'émanier. Pour l'instant. Laissez les flammes vous purifier.
Voilà, c'est ça. C'est ce genre d'ambition, mon garçon, que nous recherchons chez Freak Industries. Félicitations, DeWitt. Vous savez, quand on m'a proposé votre nom, je n'étais pas sûr que vous seriez à la hauteur. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'avais tort. Votre offre ne m'intéresse pas, Fink. Allons, je sais très bien quelle mission vous a confiée Fitzroy. Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la mienne? Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité? Vous avez la tête dure, monsieur DeWitt. La tête dure. Mais vous pouvez me croire. J'obtiendrai ce que je veux. Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. Mon Dieu, quelle est cette odeur? Il n'y a pas de toilette ici. Ils les traitent comme des animaux. Alors que je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun... Voilà. Ouais, numéro 9. Qu'ont pu faire ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil? Fink n'a pas besoin de raison. Vous êtes un lion. Mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger mes intérêts, non? Je sais que Fitzroy a fait appel à vous. Mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions, DeWitt. Pas de hyènes chez eux. C'est trop tard, c'est pas vrai. Merde. C'est de ça qu'il parlait. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Hein? Mais qu'est-ce que... Moi, je vois... face. Moi, je vois... pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comstock? Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle? Mort. Écoutez... Et de cet angle? Vivant. Booker... Chen Lin... Tout ça... Plus de cadavres. Quel cadavre? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. Sous un angle différent. Face. Pile. Mort. Vivant. Il faut qu'on rejoigne cette autre Columbia, mais... Mais comment? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Si nous entrons dans cette faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêt? Bon, vous voilà. Regardez, il n'y a plus de sang. Et pas de corps. C'est un autre monde, Booker. Une autre Columbia. Je pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia. Je ne comprends pas comment Chen Lin peut être vivant. Dans ce monde, personne ne l'a jamais tué. On comprendra pourquoi, je suppose. Je pense pas que tu puisses changer quelque chose comme ça sans que ça ait un impact sur le reste. Ces hommes... Je les ai tués. Ils étaient morts. Pas dans ce monde. Booker, leur nez, ils saignent tous. Qu'est-ce que je fais encore là? Je déteste l'un de moi. Oui, et lequel? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se rappellent. Se rappellent quoi? Qu'ils sont morts. Pas de machine. Pas d'outils. Allons voir cet armurier. Il est peut-être en haut. Booker, regardez. L'autel, c'est une statue de Comstock. Monsieur Lin? Chen Lin? Pardon, Chen Lin? Qui êtes-vous? Parlez! Plus fort!
machine faire beaucoup de bruit, moi pas entendre. Je suis Booker DeWitt. Reculez, machine très dangereuse. Attendez en bas avec Madame Lynn. Daisy Fitzroy nous envoie. On est venu chercher les armes que vous lui avez promises. Machine dangereuse. Idiot, rien à faire ici. Vous pas tenir à votre tête. Monsieur Lynn, c'est... En bas. Mais qu'est-ce qu'il... Soignez mon mari. Calmez son esprit. Soulagez son âme. Excusez-moi, je cherche une Madame Lynn. Je suis Madame Lynn. Non, je cherche une petite femme asiatique. Elle était... Booker, c'est elle, Ils ont Madame pris Lynn. Ses outils. Qu'est-ce qu'il va devenir? Oui, votre mari a l'air un peu perdu. S'il pouvait travailler, peut-être... En travaillant, il... Madame Lynn, pouvez-vous me dire qui a pris ses outils? La police. Elle les a confisqués. Ils sont à la fourrière de Shantytown. C'est bien vrai? Ces outils pourraient lui rendre l'esprit? Qu'importe. On n'aura jamais nos armes si Chen Lin n'a pas ses outils. Allons à Shantytown. Allez-y, vous pouvez me poser la question. Quelle question? Pour mon doigt. Je... Ce n'est pas grave. C'est autant un mystère pour moi que ça peut l'être pour vous. Songbird sait peut-être, mais il est muet. Désolé. De quoi? Je peux porter un dé élégant pour cacher mon atroce difformité. Il paraît que c'est à la mode à Paris. Vous devez me prendre pour un monstre. Une fille qui peut ramener les morts à la vie. Qui a pour seul ami un drôle d'oiseau géant. Vous devez me trouver ridicule. Tu t'es fait avoir, c'est tout. Je refuse de retourner dans cette tour, quoi qu'il puisse arriver. Ils feront tout pour te retrouver. Pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Tu leur fais peur. Bien. Vous affamer jusqu'à vous faire supplier, vous laisser dans l'ignorance pour vous empêcher de trouver des solutions à vos problèmes, vous faire courir derrière leur sacro-saint... Ces gens sont comme ça à cause de Fink. En vous faisant acheter tout... Daisy a peut-être raison. On devrait peut-être lui faire payer tout ça. Pas avant qu'elle nous paie. On prend les armes, puis le dirigeable. Celle-là, maintenant! Voilà. C'est là. Ne le laissez pas gagner du terrain! Oh! C'est vite! Décapitez-le! J'ai des munitions! Booker, attrapez! C'est parfait. Arrachez les munitions! Les outils, les voilà! Rapportons-les à la Vox Populi, et on aura notre dirigeable. Je sais pas comment on va faire pour transporter tout ça jusqu'à la boutique. On aurait dû réfléchir un peu plus. Qu'est-ce que c'est? On dirait une faille vers une autre version de cette pièce. Une version sans aucun outil. Alors si les outils n'y sont pas... C'est qu'ils doivent être à la boutique. Booker, si nous entrons dans cette faille, je ne crois pas que nous pourrons en revenir. Êtes-vous sûr de vouloir traverser? Vas-y. Bon, voilà le résultat. Allez, retournons voir l'armurier et finir notre marché. J'espère bien pouvoir filer d'ici en dirigeable et au plus vite. Booker, si la Vox Populi obtient ses armes, ce sera une véritable révolution populaire. Ces gens auront une vie meilleure. Ouais. Mon Dieu. C'est comme si jamais... Qu'est-ce qu'il... Vous sentez ça?
Daisy a touché ces gens. Les choses peuvent changer et nous pouvons les aider. Mais je ne veux pas les aider, moi. Dès qu'on a notre dirigeable, on fiche le camp d'ici. Vous êtes Booker DeWitt, le héros de la Vox? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter? Regardez cette affiche. Dans ce monde, vous êtes un héros. Je me souviens, j'ai mené la Vox, Slate et moi, on a brûlé l'antre des héros. Booker, votre nez... vous saignez. Je sais plus, j'ai deux souvenirs en Booker, même temps. Revenez, nous allons trouver Daisy Fitzroy. Et on partira d'ici sur la première dame. Allons-y. Je voulais voir arriver. Elisabeth. Ils sont morts, Booker. Allez, partons d'ici. On va récupérer notre dirigeable à l'usine. Ce n'est pas de notre ressort, rien de tout ça. Tu as ouvert une porte sur ce monde et on est entré. Vous êtes sûr, Booker? Tiens. On n'ouvrira pas les portes si les tirs ne faisaient pas. S'ils veulent ouvrir les portes, quelqu'un doit descendre ce dirigeable. Quelqu'un, ça veut dire nous? Je dois saboter le moteur et détruire ce truc. Il faut que je descende ce truc. Booker, c'était prodigieux. Allez, Elisabeth, on va retrouver Daisy dans l'usine. C'est comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre, hein? Qui ça? Fitzroy et Comstock. Mais Lynn... Monsieur Lynn... Dieu, je voulais tellement aller à Paris. Je pensais vraiment pas que... Tu n'aurais jamais pu deviner. J'ai joué un rôle dans cette catastrophe. Si vous voulez croire que nos mains sont propres dans cette histoire, libre à vous de le penser, mais... Allô? Fink? Je t'ai vu mourir, Booker. Vu de mes propres yeux. Fitzroy. Écoutez, j'ai trouvé vos armes. Donnez-moi le dirigeable. Mais mon Booker DeWitt est mort pour la Vox Populi. Tu es un imposteur ou un fantôme. Mon Booker DeWitt s'est sacrifié pour notre cause. C'est un héros pour nos enfants. Toi, tu compliques le scénario. Dans ton sternum. Booker! Non,
Arrêtez! Non! Non! Tuez les imposteurs et ensuite brûlez leur corps. Attendez, Roman! Soyez prudent! Prenez ces munitions. Vous avez besoin de ça. Génial. Non, non, non. Elle va tuer cet enfant. Booker, nous devons faire quelque chose. Nous devons agir. Nous devons y aller. Allez à la fenêtre pour distraire Dizzy. Allez! Alors c'est ça, hein? C'est ça votre mouvement, Dizzy. C'est ce qui doit être fait. Tu vois, les fondateurs, c'est comme le chien d'or. Tu as beau faire, il repousse toujours. Pour te débarrasser du chien dent, il faut le déraciner complètement. C'est le seul moyen d'être sûr. Elisabeth. Alors je suppose que cette famille. Elisabeth. Oh là, oh, hé, 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 allez. Passez par là. Elisabeth. C'est tout ce qu'ils avaient. Écoute. Comment vous faites? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour oublier. Est-ce que vous auriez une méthode miracle pour effacer son passé? On peut pas. On apprend à vivre avec. Attention, c'est notre moment de vérité. New York ou Paris? Allez, on doit trouver le moyen d'accélérer la cadence. Il doit y avoir une sorte de manette ou d'accélérateur. Tu saurais me dire chose. À quoi ça ressemble? Je ne sais pas. Aide-moi à chercher. Elisabeth. Tu te trompes. Je te dis que non. Merci. Non. Non. Très bien. Attends. Comme tu veux. Booker, on doit les arrêter. Non, ça c'est un. Mais non, Booker, je te faites dis vite. Que c'est ça. Voilà. Non, tu te trompes. Mais si, voyons. Non. Si. Non. Si. Reste. Vas-y, toi. Très bien. Arrêtez! Arrêtez, vous ne savez voilà. pas ce que vous non, faites. Ce n'est pas ça. Ah, nous y voilà. Non. Ça y est, à cause de vous. Il va revenir, il va revenir. C'était les bonnes notes. Mais pas le bon instrument. Il ne répond qu'à l'appel des deux. Mais si vous savez chanter pour lui... Il vous emmènera où vous voulez. Qui êtes-vous? Nous sommes où nous devons être. Et devons être où nous sommes. Comme Stock se sert de chansons. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Une qui éloignerait l'oiseau? Mais posez donc la question au maestro.
Où est-ce qu'il est? Évidemment. Au moins, le piano est toujours là. Booker. La maison de Comstock. C'est notre point de départ pour le retrouver. Tous ces gens, où vont-ils? Le plus loin possible de la Vox Populi. Je me demande ce qui attire l'oiseau dans cette chanson. C'est comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours aux anges quand je l'entendais. Aux anges? Je n'avais que lui. Il m'apportait à manger, de quoi lire. C'était mon ami. Ton ami? Et puis j'ai grandi. Et je l'ai détesté. Parce que c'était mon geôlier. Mais c'est la créature de Comstock, non? Il est comme moi. Et voilà. Je viens de comprendre qui était ce couple. Ils ont... Enfin, elle a inventé la technologie qui permet à la ville de flotter. Les gros ballons? Des particules quantiques. Gelées à hauteur fixe dans l'espace-temps. Rien à voir avec les gros ballons, donc? Mais d'après mes livres, ils auraient disparu depuis plusieurs années. Je t'avais dit qu'ils viendraient. Non, je ne crois pas. Ah, eh bien, quoi qu'il en soit, j'en avais l'intention. Mais tu ne l'as pas dit. Non, pas encore. Tu es sûr de toi? Je crois qu'avec eux, il ne faut pas se fier aux apparences. J'allais t'avoir dit qu'ils allaient venir? Non. Futur antérieur? Non, pas le futur antérieur. La grammaire n'a pas encore été inventée. Il aurait fallu qu'elle aurait été. Aurait fallu? Aurait été? Ça ne veut rien dire. Je crois qu'ils veulent nous aider. Je crois qu'ils sont fous alliés. Étrange, non? Quoi donc? Qu'il nous arrive parfois... De finir les phrases de l'autre? Exactement. Le contraire serait étonnant. Comment ils font ça, à votre avis? Je te répondrai dès que j'aurai compris cette histoire de ville flottante. Tu peux ouvrir ça? C'est un verrou à double cadran. D'après mes livres, Monsieur Tout-le-Monde garde la combinaison à portée de la main. J'espère qu'on est tombé chez lui. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le crochetage et le déchiffrage? Si vous vous retrouvez dans une cage, c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Je veux bien le croire. Et je ne veux plus jamais qu'on m'enferme bout. Elisabeth. Elisabeth, tu... Promettez. Je vais l'arrêter. Non. Vous savez que c'est impossible. Mais s'il me retrouve, je préfère encore... être morte que de retourner là-bas. Ça n'arrivera pas. D'accord. Regardez, la Vox Populi est en train de tout saccager. Prenez-les!
position. Madame Tomstock, quel plaisir de vous voir. C'est aimable à vous de nous rendre visite. Surtout après votre mort tragique et cruelle, voilà 19 ans. Madame Comstock. Ma robe. Cette machine me confond avec ma mère. Vos empreintes n'ont pas l'air d'être tout à fait à leur place, Madame Comstock. Seriez-vous souffrant? Ça ne marchera pas comme ça. Moi, je crois que si. Ta mère est morte, Elisabeth. Oui. Et il est temps d'aller me recueillir. Essayons de trouver sa tombe. La tombe de ta mère. Elle est conservée dans une chambre hermétique. Ses empreintes nous permettront d'entrer chez Comstock. Mais c'est ta mère. Une mère qui abandonne son enfant ne mérite pas énormément de compassion. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dis. Voilà. Vous allez ouvrir la porte ou vous préférez que j'y aille sans vous? Elisabeth. C'est elle. Comment allez-vous, mère? Vous êtes bien sous clé? Finalement, nous avons au moins ça en commun, toutes les deux. Laisse-moi faire. Non. Laisse-moi faire. Tu vois, petite, tu as suivi un faux berger. Il n'a fait que te perdre. Elisabeth, est-ce que tout va bien? Où est-elle passée? Tiens le coup, il faut que tu te reposes un peu. Non, j'obtiendrai cette main. Elisabeth, pourquoi ta mère est un fantôme? Non, c'est lui. Il s'est servi de moi pour alimenter cette machine. Il a ouvert une sorte de faille. C'est moi, ta mère, pas toi. J'ai l'impression que ta mère ressuscite les morts. Voilà pour vous. Super. Elle est quoi au juste? Je ne sais pas. Et moi, qu'est-ce que je suis? Mon Dieu. C'est elle la source de mon pouvoir? Mais qu'est-ce qu'elle est? Vivante ou morte? Pourquoi toujours des quoi? Quand la question qui compte est quand? La seule différence entre le passé et le présent? C'est la sémantique. Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Si nous percevions la vraie valeur du temps... Qu'est-ce qui pousserait encore les grammairiens à sortir de leur lit? Comme nous tous, Madame Comstock transcende le temps. Elle est aussi morte que vivante. Elle sait être les deux. Et cette dualité ne lui est pas agréable. La perception sans compréhension... est une association dangereuse. Regardez! Des pas. Elle a quelques comptes à régler. Il faut qu'on la suive, qu'on lui fasse ouvrir la porte de la maison de Comstock. Quel dommage que vous ayez besoin d'elle pour entrer chez Comstock. Honnêtement, elle n'a pas l'air prête à coopérer. Il y a moyen de lui faire entendre raison. Vous devez d'abord découvrir trois réalités. Toutes les trois détruites par Comstock dans ce monde. Si seulement l'un de vous deux savait contrôler l'espace-temps. Ce serait tellement pratique, n'est-ce pas? Eh ben... ils sont sarcastiques, ces deux-là. C'est une faille. Je vois quelque chose. Vous voulez que je l'ouvre?
C'est ma mère. Je vous assure, madame, je porte un intérêt assez sûr à votre cher prophète. Et madame Lutèce. Qui plus est, ce pauvre homme est stérile. Vous mentez. Venez récupérer votre vengeance. Je veux qu'elle quitte ma demeure. Stérile? Je ne suis pas leur fille. Hein? Alors qu'est-ce que tu es? Un enfant qu'ils ont choisi d'emprisonner. Elle a mérité ce que lui a fait Comstock. Et si j'accepte de faire ça, tous leurs brevets seront sabotés? Absolument, monsieur Fink. Pourquoi diable le prophète veut-il faire tuer ces gens? La même raison qui avait tué madame Comstock. L'enfant. Et pourquoi veut-il que je m'en charge? Vous seul ferez passer ça pour un accident. Je ne crois pas que ce soit la vraie madame Comstock. Je crois que c'est un mélange entre elle et les sentiments que j'ai à son égard. Comment ça? Je suis en colère contre elle et contre mon père. Je crois que c'est elle, mais aussi un peu moi. Je suis même pas sûre de bien comprendre moi-même. Mais vous êtes mort? J'ai pris la photo de votre enterrement? Oui. D'ailleurs, vous auriez pu vous appliquer. Qui pourrait croire que la photo d'un cadavre se révèle aussi peu vivante? C'est de la folie. Comment veux-tu prouver que Monsieur Fink s'en est pris aux Lutèces? Les Lutèces me l'ont dit. Les Lutèces? Quand? Hier matin. Rupert, ils sont morts depuis 7 jours. Il a tué madame Comstock. Les Lutèces. Il préférait voir morts ceux qui connaissaient la vérité. Je ne suis même pas sa fille. Je suis juste un spécimen à étudier et disséquer. Non, c'est faux. Elisabeth, écoute-moi. Ce que tu as vécu, personne au monde ne mériterait ça. Booker. On va s'enfuir d'ici, c'est compris? Et tu vas pouvoir oublier tout ça. Mais il vous a tué toutes les deux à cause de moi. Je sais que vous me détestez de ne pas être votre fille. Et je vous ai détesté de ne pas être ma mère. Tu trouveras le monde comme elle sera morte! Je vous dois des excuses. Comstock s'est servi de moi pour vous ramener, mais j'ai ramené une version de vous, d'une réalité qui n'existait que dans mon esprit. Il a toujours fait semblant de nous aimer. Toutes les deux. Je ne suis pas une enfant de la honte. Je suis une victime. Mensonge! Mais je ne me laisserai plus jamais faire. Nous devons nous pardonner. Qu'il existe un être bien pire que nous. Le prophète, il m'a tué. Parce que vous menaciez de tout dire à mon sujet. Si c'est vrai, pourquoi je suis en vie? Vous ne l'êtes pas. Pas dans ce monde. Mais cette version de vous existe peut-être dans un monde où vous ne le connaissez pas. Monde où je l'ai sauvé. Je ne sais pas. Est-ce vraiment possible? Découvre-le, petite. Découvre-le. Booker. Merci.
ramener la fille et nous effacerons la dette. Ramener la fille et nous effacerons la dette. Elisabeth, tu m'entends? N'approchez pas, vous êtes pâte! Allez, ramenez-moi, Patou! Pitié! Pitié! Qu'est-ce que... Certains hommes rêvent d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Certains hommes rêvent d'amour. Mon père rêvait d'une immense mer de flammes. On nous offre l'Éden, et nous le transformons en Sodome. Pourquoi méritons-nous le salut? Dieu donna à Noé un poisson sous forme de déluge, mais il fut moins aimable avec moi. Il dit, prophète, je veux que tu apprennes à toute une nation à pêcher des poissons. Petite, veux-tu prier avec moi? Ils me font mal. Pitié, laissez-moi. Wow, nous allons te guérir. Je ne suis pas malade. Ton esprit l'est. Tout ce que je voulais pour toi, c'était que tu réussisses à t'accomplir. Je suis le docteur Pettifog, Elisabeth, et je vais m'occuper de toi. N'approchez pas de moi. Toujours aussi rebelle, même après tout ce temps. Dewitt t'a abandonné. Il faut que tu l'oublies, petite. Il va venir. Tu espères toujours que Dewitt va débarquer pour te sauver, c'est ça? Ça fait 6 mois. 6 mois? Un homme avait promis de me libérer de mes chaînes. Mais en définitive... Il m'a abandonné pour vivre sa vie. Mais dans un sens, je le remercie. Il m'a montré quelle foi accorder à notre espèce. Dieu aussi a fait confiance aux hommes. Nous avouerons cela en commun. La déception. Je n'ai pas toujours aimé le prophète. En vérité, j'ai fui son contact. J'ai même nié être son enfant. J'ai choisi de suivre un homme qui me semblait être à 1000 lieues de mon père. Mais il s'agissait d'un faux berger. Et quand les loups sont arrivés, je ne l'ai plus jamais revu. Je devrais pouvoir descendre et retrouver Elisabeth maintenant. Faites vos prières.
Passez derrière! Elisabeth, tiens bon! Quoi? C'est une faille? Qu'est-ce que... Pourquoi toujours des quoi? Quand la question qui compte est quand? Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Comme vous le voyez, Booker, les démons ont pris le contrôle de l'asile. Ils refusent même de m'écouter à présent. Tout ce que je peux faire, c'est regarder ce que j'ai déclenché, arriver à sa conclusion. J'ai usé mes dernières forces pour vous amener ici. Elisabeth, je comprends pas. Je t'ai entendu crier, j'allais venir te chercher, est-ce qu'on... Tenez. Prenez ma main. La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, comme Stock a le sens de la formule. Ce n'est pas la torture qui m'a brisé. Ce n'est pas l'endoctrinement. C'est le temps. Le temps finit par tout ronger, Booker. Même l'espoir. J'allais venir. Songbird, il vous arrête toujours. Oui, mais j'aurais réussi. Non, c'est trop tard pour moi. Je vous ai fait venir pour vous, elle et vous. Tenez. Qu'est-ce que c'est? C'est pour elle. Elle saura le déchiffrer. Qu'est-ce que ça dit? C'est un conseil. Un conseil pour quoi? Pour ne pas qu'elle finisse comme moi. Je suis de retour. 1912. Avant qu'elle... Il n'est pas trop tard. Elisabeth! Comstock! Qu'est-ce que vous lui faites? Laissez-la! Monsieur DeWitt, comment dit-on déjà? À la fois trop tard et trop peu. Il faut que je rentre là-dedans. Peut-être qu'en éteignant ces machines d'en haut. C'est vous qui m'obligez. Elisabeth, j'arrive tout de suite! Je suis là, tout va bien. Attends, je vais arranger ça. T'es prête? Allez-y. C'est parti. Donnez-moi un coup de main. Quelqu'un m'a demandé de te donner ce truc. Qu'est-ce que c'est? Lis-le. Votre vision de New York se réalise. Et c'est moi qui... Ah
Elle nous donne un moyen de passer Songbird. On va trouver un dirigeable et partir à Paris, Elisabeth. Souviens-toi, nous tu voulais visiter... Nous ne partons pas. Nous allons trouver Comstock. Pourquoi? Vous avez vu ce qu'il a fait de moi. Je ne le laisserai pas faire. Et alors quoi? Tu vas le tuer? C'est maintenant que vous venez me faire la morale, Booker? N'oubliez pas que je vous connais. Je ne vais pas te laisser le tuer. Vraiment, Booker? Et qu'allez-vous faire pour m'en empêcher? Rien du tout. Parce que je vais m'en charger pour toi. Très bien, allons trouver ce prophète. Le zeppelin de Comstock est dehors. Il l'appelle la main du prophète. Comment tu sais ça? Je suis là depuis longtemps. Combien de temps? Suffisamment. Le vaisseau de Comstock! Nous devons absolument monter à bord! Bouge pas, je m'en occupe. Soit nous y allons tous les deux, soit j'y vais seul. Dans les deux cas, je dois savoir que c'est fait. Oh, DeWitt, acceptez la prophétie. Arrêtez de vous débattre. Vous êtes la pierre dans la fronde. Admirez toute la beauté du lancer et l'excitation de la descente à mesure que la gravité vous rapproche de l'inévitable. Super. Regarde bien, Elisabeth. J'ai construit tout ça pour toi. Tu es mon héritière, mon sang. Et qu'est-ce que DeWitt a fait pour toi? Pour lui, tu ne seras jamais rien de plus qu'un moyen pour arriver à ses fins. Vous ne sortirez pas à la mort. On vise juste, car mon œil est celui du prophète. Qui m'obligeait. Faites pas d'histoire. Regardez. Cette navette peut nous emmener jusqu'à la main du prophète. Vous croyez qu'on a la possibilité de racheter tous nos actes? Racheter? Je vois pas trop l'intérêt. Booker, est-ce que vous craignez Dieu? Non. Mais je te crains, toi. Des roquettes, Booker! Arrêtez-le! Plus près de lui! Regardez! Le voilà. Nous devons atterrir et nous battre pour le rejoindre. Ou alors, on peut mettre le cap sur Paris. Vous avez le droit de me laisser là. Ce n'est pas votre problème, Booker. Je ne vais pas t'abandonner. C'est bien vrai? Vous le jurez? Regardez! Des lignes d'aérotram, partout sur le vaisseau! Elles sont couvertes de capsules pour patriotes motorisés! C'est de là qu'ils doivent sortir. On doit se débarrasser des capsules si on veut approcher. Comstock est au sommet du vaisseau. Allons-y! Regarde, DeWitt! Regarde-le! Il y a quelque chose chez lui que tu n'arrives pas à saisir. Tu comprendras bientôt qui je suis. Ici. Et qui merci. N'est pas. Je ferai en sorte de vous approvisionner. Ça va faire le ménage. J'ai vu les premières étincelles qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui vais mener à bien cette mission. C'est toi qui t'en chargeras, Elisabeth. C'est ta mission. Suis-moi!
À la gauche de notre agneau se tient le faux berger, et à sa droite, les vestiges d'une force populiste hérétique. Lequel d'entre vous ne sacrifierait pas tout de bon cœur pour la voir accomplir son destin? Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! La mort est douce! Vas-y! Très bien! Là! Des munitions! Ici! J'ai des munitions! Oh. Oh. C'est parfait! Abandonnez-le! Oh! C'est ma tour. Qu'est-ce que c'est? Le siphon? Ouais, je l'ai vu, là. Je t'entendais chanter, là, au-dessus. Et ta voix a mis la machine en marche. Et dans la tombe de ma mère, il y en avait un plus petit. Il me vidait. C'est pour ça que je ne peux pas... Peux pas quoi? Quand j'étais petite, je pouvais non seulement ouvrir des failles, mais aussi en créer de nouvelles, qui menaient partout où je voulais. Mais dans la tour... Ne bouge pas. Je m'en occupe. Non, Booker. C'est entre lui et moi. Il essaie de te tendre un piège. Je n'ai pas le choix. Approche, mon enfant. Allons, je ne mords pas. Doux Jésus, comme tu as grandi. Dites-moi, qu'est-ce que je suis? Regarde un peu dans quel état tu es. La touchez pas! Élisabeth. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Protéger de quoi? La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Mais l'archange a fait une autre révélation. Méfie-toi, prophète. Méfie-toi du faux berger, Booker DeWitt, car il viendra s'interposer avec sa destinée. Pourquoi? DeWitt, je suis un imbécile. J'ai envoyé des armées contre vous. Je vous ai noyé sous les flammes célestes. J'ai fait tout ça pour vous tenir éloigné, alors que je n'avais qu'à lui dire la vérité. Demande-lui, petite. Demande-lui ce qui est arrivé à ton doigt. Demande à DeWitt. Ne me touchez pas! Demande-lui! Demande au faux berger! Dites-lui! C'est votre fille, salopard! Et vous l'avez abandonné! Ça valait le coup? Hein? Vous avez eu ce que vous voulez? Dites-moi! Dites-moi! Voilà. C'est terminé. Non! C'est pas terminé! Booker. Vous l'enfermez toute sa vie! Booker. Vous lui coupez le doigt et vous mettez ça sur le dos! Booker, arrêtez! Vous l'avez tué. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Hein? Dites-moi! Qu'est-ce qu'il voulait dire pour mon doigt? J'en sais rien. Je pensais que c'était de naissance. Je sais pas. Votre nez. Vous saignez. Hein? Élisabeth, je te le jure, je ne sais absolument pas de quoi il parlait. Si, vous savez. Il faut juste vous en souvenir. Non. Je vais te le prouver. On va détruire le siphon. La réponse est... derrière une de tes portes, il te suffit d'ouvrir. Détruire le siphon? C'est la tour tout entière, Booker. Comment voulez-vous qu'on fasse? Je sais pas.
mais j'aurais bien une idée en route. Une cage. Cage, qu'est-ce que... Bon, et maintenant ? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire ? Une cage. Une cage, quelque chose m'échappe. Allons. Il disait savoir ce qu'il nous fallait. Booker ? Il disait savoir ce qui nous attendait. Booker ! J'avais vu venir tout ça, vieux schnock. Bon, on va se préparer. Je crois qu'ils veulent monter à bord. On te laissera pas placer ta fille sur le trône. On va l'envoyer dans sa tombe. Hey, qu'est-ce que tu fais ? On doit chanter pour lui ! Chanter pour qui ? Elisabeth, arrête ! A-G-E ! C'est pas un mot, Booker ! C'est une chanson ! Tout va bien. Je suis là. Tu vas m'aider. J'ai besoin que tu me protèges. Tu es d'accord? Tu veux faire ça pour moi juste une dernière fois. S'il te plaît. Allez! Allez! Allez, allez! Allez! Booker, il va nous aider. Utilisons-le contre cette flotte. Il faut que ce feu tienne jusqu'à Monument Thailand. Détruis ce vaisseau. Là, le zeppelin. Monsieur DeWitt, je crois qu'il y en a d'autres. Booker, par ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, vous pouvez utiliser Songbird pour tout détruire. Détruire le siphon. Et c'est ce que tu veux? C'est le seul moyen de connaître la vérité. Pour mon doigt, pour Comstock, pour tout. Détruis-le. Détruis tout. Non, pas du tout. Où il est? Où il est? Ça va. Ce n'est rien. Je suis là. Laisse-toi aller. Très bien. Comme ça. Elisabeth, je suis désolé. Où est-ce qu'on est? Elisabeth? C'est un passage. Mais il y en a d'autres. Par ici! Comment ça, c'est un passage? Où est-ce que tu vas? Venez! Allez, c'est par là! Ce que Comstock a dit sur ton doigt. Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce que... C'est par là!
C'est là que nous devons aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Ça veut dire quoi, cet impassage? Je vais vous montrer. Ça sent les ennuis, tout ça. Une ville au fond de l'océan? Mais c'est absurde. Regardez, des milliers de portes. Elles s'ouvrent toutes en même temps. Mon Dieu, c'est magnifique. Quoi, les étoiles? Allez, venez, c'est par là. Allez! Tu vas essayer de l'ouvrir? Ça ne marche pas. C'est pas juste. Je pensais qu'une fois ici, je pourrais tout contrôler. Je pensais... Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Et d'où elle sort? Elle a toujours été là, mais... je ne pouvais pas la voir. Vous voyez? Des portes. Pas des étoiles. Des portes qui mènent où? Elles mènent partout. Il ne nous reste qu'à choisir. D'où ils sortent tous ces phares? Qu'est-ce qu'on fait? Qui? Ce sont des millions de millions de mondes. Tous différents et tous semblables. Des constantes et des variables. Comment? Il y a toujours un phare. Il y a toujours un homme et toujours une ville. Comment tu sais tout ça? Je les vois derrière les portes. Vous, moi, Columbia, Songbird. Mais parfois, quelque chose change. Des constantes et des variables. Oui. Regardez. Mais c'est nous? Pas tout à fait. Le voyage est différent, pas la destination. Tout commence toujours par un phare. Je ne comprends pas. Ce n'est pas très grave. Ça ne changera rien aux événements. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Dans le passé, dans le futur. Il y a tellement de choix possibles. Ils nous mènent tous au même endroit. Au commencement. Personne ne me dit où je dois aller. Booker, c'est trop tard pour ça. Attends une minute. Je connais cet endroit. J'étais là, c'était il y a une vingtaine d'années, juste après Wounded Knee. J'étais à la recherche de... Allez, mon fils, le temps presse. Que faisiez-vous là? Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? Êtes-vous prêt à être purifié? Êtes-vous prêt à renaître une nouvelle foi? Prenez ma main. Non. Non, je veux pas. Mais c'est déjà trop tard, n'est-ce pas? Êtes-vous prêt à renaître? Je suis prêt. Vous repentez-vous? Oui. Regrettez-vous votre cruauté? Oui. Voulez-vous repartir du début, abandonner votre ancienne vie et renaître dans le sang de l'agneau? Oui. Jésus, purifie cet homme. Père, non. Fais-le renaître. Attendez, stop. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Non. Laissez-moi, stop. Vous ne vous êtes pas laissé. Tu crois qu'une simple baignade suffirait à effacer mon passé? Sortons vite d'ici. Les portes dont tu parles, ce sont des failles, pas vrai? Alors ouvre-en une. Ouvre-en une vers Paris, je refuse de rester ici. On doit d'abord trouver Comstock. Comstock est mort. Non. Il était là. Venez.
Et pour mes dettes. Ramenez la fille, et nous effaçons la dette. C'est l'homme qui m'a embauché pour te retrouver. Vraiment? Oui. La fille contre la dette. Attends, attends. Non, 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 ça va pas. Qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas de bébé. Je m'en souviens. Non, il n'y avait pas de bébé. Et si c'était le cas, jamais j'aurais accepté de le donner à ce type. Booker, c'est le seul moyen de quitter cette pièce. DeWitt, le temps presse. Ramenez la fille et nous effaçons la dette. Allez-y. Non. Vous pouvez attendre tant que vous voulez. Vous finirez par lui donner ce qu'il veut. Mais comment tu sais tout ça? Je vois toutes les portes. Et tout ce que cachent ces portes. Et derrière l'une d'entre elles, je le vois, lui. Comstock. J'ai pas vraiment le choix. La dette est effacée. Comstock a purifié tous vos péchés. Ramenez la fille pour effacer vos dettes. Il n'y avait pas de bébé. Le marché, c'était d'aller te chercher à Columbia. Booker, vous signez. Non. Je sais très bien ce dont je me souviens. Nous l'avons chamboulé. Et je doute fort que la suite n'arrange son état. Allez. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comstock est mort. On n'a plus qu'à reprendre le cours de nos vies. Pas besoin de... Comme Chen Lin, vous voulez dire? Comme Madame Comstock? Non. Il est en vie dans des millions de millions de mondes. La mort du prophète ne résout pas le problème. Il ne sera résolu que si nous l'empêchons de ne jamais voir le jour. Hé! Hey. Hé! Hey, ça marche plus, vous entendez? Ça ne marche plus! Rendez-la-moi! Rendez-la! Tu es folle! Rendez-la-moi, sale enfoiré! Non! Non, non, non! Non! Anna! Anna! Rendez-moi ma fille! Non! Anna. Anna. Non. Non. Je suis désolé, Anna. Anna, je suis désolé. Vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir, vous offre une chance de rédemption. Une chance de nous réunir. Je t'avais dit que ça marcherait. Nous savons déjà que ça marche. Mais lui... Le sait-il? Anna. Anna. Je suis désolé, Anna. Tu penses qu'il s'est marqué au fer rouge en signe de pénitence? Pas du... Pourquoi faire? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait sera fait. Cette marque est un peu son cilice, comme lui et le nôtre. Nous effacerons la dette. Ramenez la fille. Et nous effacerons la dette. Ramenez la fille. Nous effacerons la dette. Tu vois, ramener il commence à reconstruire fille, son histoire. Nous effacerons... Elle te plaît vraiment, ta théorie, hein? Ramener la fille, nous effacerons... En fabriquer un nouveau... Ramener la fille, nous effacerons... Oh, je sais bien. Booker, debout. Booker, réveillez-vous. C'est là que tout a commencé. Je t'ai vendu. À votre décharge, vous avez tenté de faire machine arrière. Tout est de la faute de Comstock. Si je revenais en arrière, que je le tuais avant que tout ça n'arrive. Ça y est,
tout se met en place. Mais comment savoir à quelle date remonter? Je vois pas d'autre solution. Remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau. Booker, c'est vraiment ce que vous voulez? J'ai pas le choix. C'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait. Booker DeWitt, êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois? Pourquoi on est revenu ici? Ce n'est pas le même endroit, Booker. Bien sûr que si, je me souviens. Attends. Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? À repartir du qui début es-tu? Vous avez refusé, mais pas dans toutes les réalités. Vous avez accepté, et vous renaissez sous une autre identité. Comme Stark. Il faut qu'on arrête tout ça. Ne jamais commencer. Pas uniquement dans ce monde, mais dans tous nos mondes. Je l'ai étouffé au berceau. Purifie cet homme. L'étouffer. Avant qu'il ne choisisse. Avant qu'il ne renaisse. Quel sera votre nom, mon fils? Il est Zachary Comstock. Il est Booker DeWitt. Je suis... les deux.